Mm. -hmm. 으휴. <sighs> Mmh. Euh, du coup, ça va pas aller, je la cam. Voilà. Mmh. bon allez bonjour tout le monde bah bon, de se réveiller on va faire ce putain de code de la route de merde Pardon, mon langage. Ouais, c'est parti. Dans cette descente, je facilite le passage à la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mais coucou, ça va? Sur les ouais, c'est parti pour mes défauts habituels. Le croisement peut se révéler difficile. Ici, dans cette descente, c'est à moi de faciliter le passage, voire de m'arrêter le premier pour faciliter la progression du véhicule montant. Réponse A. Je reste en feu de croisement. Réponse A. Où j'allume les feux de ah, route. Bien Réponse B. Non, ouf, aucun espoir. Je espoir. dépasse par la droite. Oui. Réponse A. Mmh. Non. Réponse B. Euh... Je me suis d'ailleurs. Je suis sur une route à caractère prioritaire. Mais... C'est ce que ce panneau indique. Si j'ai suffisamment d'espace pour dépasser par la droite cette voiture qui veut tourner à gauche à cette intersection, en revanche. J'ai un doute sur les intentions du conducteur arrêté à droite. Il peut tout aussi bien vouloir aller en face que tourner sur sa droite. En tout cas, son clignotant en gauche n'est pas allumé. Salut, ami. Ouais, c'est pour le coup, Voyons coup, que la circulation est ralentie. Il peut prendre l'initiative de s'engager maintenant. Dans le doute, je ne dépasse pas par la droite. Réponse B. C'est surtout que je ne voyais pas ce qui, avait arrivé, ce qui arrivait en face. Hein. Je ne peux pas doubler alors que je ne vois rien. C'est beaucoup plus simple, logique. Pour prendre la direction de Grévillé, je mets mon clignotant à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Oh, désolé pour hier soir, mais je n'étais pas vraiment. La voilà. direction de Grévillé est à gauche. Mais pour y accéder, je vais devoir quitter cette route vers la droite dans un premier temps pour la traverser ensuite. J'allume donc mon clignotant à droite. Réponse A. Dans cette rue, circuler à 50 km/h est autorisé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est adapté à la situation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est autorisé. Oui. Adopter. Non. Je vais aborder une rue dans laquelle des véhicules sont stationnés à droite et à gauche. Un camion effectue une livraison et empiète un peu sur la voie. Un cycliste circule sur la droite. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h maximum. Mais ici, cette vitesse serait excessive. La voie est réduite, ce cycliste est beaucoup plus lent, des usagers pourraient sortir de leur place, des piétons pourraient être masqués. Circuler à 50 km/h est autorisé, mais pas du tout adapté. Réponse A et D. Non, je prie. Ouais, ça marche bien général. Avec mon permis de catégorie B, je peux conduire une camionnette d'un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, vu qu'on qu peut extracter une remorque avec maximum 3,5 tonnes dans l'ensemble des deux véhicules, je dirais oui, la logique, Et le code étant ce qu'il est. Le permis B donne le droit de conduire un véhicule d'un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes maximum, ce qui permet de conduire un camping-car ou de faire des déménagements avec une camionnette. Le poids total autorisé en charge est inscrit sur le certificat d'immatriculation et il ne faut pas que le poids réel dépasse cette limite. Rouler en surcharge est dangereux et peut être sanctionné par une amende avec immobilisation du véhicule. Pour contrôler la réalité de la surcharge, la police peut mettre le véhicule sur une bascule et comparer le poids réel trouvé avec le poids total autorisé en charge inscrit sur le certificat d'immatriculation. Réponse A. Je peux emprunter la voie de droite en cas de crevaison. Réponse A. Pour circuler à allure réduite. Réponse B. Pour répondre au téléphone Réponse C. Ce marquage indique une bande d'arrêt d'urgence. Oh bon. Que je sais circule pas sur une autoroute ou sur une route à accès réglementé, les règles concernant l'arrêt et le stationnement sont identiques. Comment La dire? bande d'arrêt d'urgence est réservée pour les cas où il n'est pas possible de continuer à rouler. Panne, malaise, etc. Lorsqu'en conduisant, je ressens les premiers signes de la fatigue, il est préférable de s'arrêter. Réponse A. D'accélérer pour réduire le temps de trajet. Réponse B. De continuer prudemment. Réponse C. Oui. La fatigue est en cause dans 20 à 30 des accidents mortels. Elle peut avoir des origines diverses, liées au véhicule ou à l'environnement ou tout simplement au conducteur. Dès que les premiers signes de fatigue se font sentir, picotement des yeux, paupières lourdes, baillement, énervement, il faut s'arrêter, même si on est près de chez soi. Une pause de quelques minutes permet de récupérer une bonne partie de ses capacités et surtout, elle évite de s'endormir. Réponse A. La vitesse est limitée à 30 km/h. Réponse A. À 50 km/h. Réponse B. B. À 70 km/h. Réponse C. Bon, bon oh, ah ouais, on arrive en ville. J'avais pas vu le panneau au début. Il a bon, mais J'avais pas vu le panneau. Il est parfois difficile de savoir quelle est la vitesse maximale autorisée si je n'ai pas vu le panneau. En effet, je suis sur une chaussée large comportant deux voies de chaque côté. On pourrait penser que je circule hors agglomération et qu'il est possible de rouler à plus de 50 km/h. De plus, cette infrastructure ne ressemble pas à une zone 30. S'il fallait faire un choix entre 70 et 50 km/h, il serait préférable de choisir la vitesse la plus faible et attendre les signaux de rappel. Néanmoins, si je suis attentif, j'ai dû percevoir précédemment le panneau limitant la vitesse à 50 km/h. Réponse B. Un peu trop rapide. Des fois, les diapos durent super longtemps, des fois, elles durent 3 secondes, et tu n'as pas le temps de, de te lancer dans la, dans la diapo, que c'est déjà terminé. C'est ce qui m'est arrivé là, ici. De quoi, le fait. premier sur le lieu d'un accident, il faut placer son véhicule du côté de l'accident. Réponse A. Du côté opposé à l'accident. Réponse B. De façon à ne pas gêner les secours. Réponse C. Protéger sur la route, c'est se garer sur le bas-côté, ah, oui. si possible, après l'accident, sur la bande d'arrêt d'urgence ou sur l'accotement. Il faut dans ce cas mettre les passagers de mon véhicule en sécurité sur le bas-côté. Il faut aussi baliser de part et d'autre de l'accident et porter un gilet de haute visibilité et disposer des triangles de présignalisation. En priorité sur le lieu d'un accident, il faut placer son véhicule du côté de l'accident et de façon à ne pas gêner les secours. Merci. Réponse A. Et c'est. Sur la, sur la diapo, c'est cela. parce que d'habitude, ils mettent des diapos quand même assez longues où tu as, as, as le temps d'analyser, de regarder un peu partout et compagnie. Ah, direct, ils, ont, ils, ont, euh, ils, ont, ils ont collé le panneau alors que j'étais en train de regarder les rétros, quoi. J'étais assez de comprendre un peu où est-ce est que j'étais. C'est comme ça que je me suis fait niquer, moi. Pas l'habitude, moi, encore. Avec le cycliste, je laisse un intervalle d'au moins 1 mètre. Réponse A. Un m cinquante Oh, bon, j'ai eu bon. Réponse B. Je reste au milieu de ma voix. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors là, pareil, il faut que je sorte mon mètre laser, parce que je ne sais pas à quelle licence je suis, euh, du piéton. Donc, je sens que je vais m'acheter un mètre laser euh, quand je vais conduire, parce que qu'avec euh, leur question à la con... Sur cette route voilà. à double sens de circulation, est -ce que en sais endroit est très large, de, de la b... ce qui me permet Qu que de laisser que j un sais, bon moi. intervalle entre le cycliste et mon véhicule lors du dépassement. Je ne sers pas à gauche, alors que je vais croiser un poids lourd. Je reste où je suis, au beau milieu de ma voie de circulation. Il est à m 50 B. J'en fais quoi et C. Je me, fous les, je me, fous, euh, je me mets les fous dans le cul. de merde. Ça m'empêche de serrer un petit peu plus la gauche quoi. Je dis pas d'aller à... Puis c'est quelque chose Bah oui mais ça change rien, qu'elle soit assez large ou pas. et 1m50, c'est 1m50 une casse les couilles pour aller faire un brouillard de merde là, et euh, pour une distance de sécurité qui est dix fois plus importante surtout que c'est un cycliste, comme ils l'ont dit. Ah oh, bon, je vais me taire. Mais oui, bien sûr, j'ai écouté des explications, mais je suis pas d'accord. Mais j'ai pas dit non plus de griller la ligne et d'aller en face de lui le camion. Mais elle sert un petit peu plus à gauche, c'est tout. Je suis pas con non plus. Enfin bon. Je repars dès que le tramway est passé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Allez, ah, d'accord. Ok. Parle pas le <laughs> port. À la différence des trains, il n'y a pas de barrière Et qui se fou. relève pour autoriser le passage. Les feux clignotent ah, compris, 3 à 4, 4 bon secondes bon avant bon. l'arrivée d'un tramway et il s'éteigne rapidement ah, après le passage du tram. S'il reste allumé, c'est qu'un tramway s'approche dans l'autre sens. Il ne faut jamais ah. repartir dès que le tramway est passé, mais attendre l'extinction du feu pour le faire. Je laisse repartir le bus. Réponse A. Ou je passe. Réponse B. Bah, je passe. Il n'y a pas mis de clignotant. Le bus est à l'arrêt, feu de stop allumé. Désolé, le clignotant droit éveiller, est éteint. Je pas de bonne le chauffeur n'indique pas qu'il reste à l'arrêt. Le clignotant gauche est éteint. Il ne manifeste pas non plus son intention de le quitter. Je ne sais pas combien de temps va durer cet arrêt. Je ne vais pas attendre que le bus parte, au risque de bloquer inutilement la circulation. Je passe avec prudence en surveillant qu'un piéton ne va pas traverser devant le bus. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. non. Ben... Les conditions pour effectuer un dépassement sont invariables. Je surveille derrière pour voir si quelqu'un me dépasse. Ce n'est pas le cas. Je m'assure que la signalisation ne m'interdit pas de dépasser. Ici, les flèches de rabattement concernent les usagers en face. Je peux utiliser la voie de gauche. Enfin, il faut s'assurer que personne n'arrive en sens inverse. Toutes les conditions sont réunies. Je peux dépasser. Je ah. J'étais persuadé en cette situation que... justement euh, bah, on en avait parlé dans la voiture et Sylvine. Euh, qu'à cause des flèches de rabattement, euh, ça nous est interdit à nous de, 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 de en face de, de doubler, mais en fait non j'avais tort. Même si qu'il y a des flèches de rabattement, bah euh, on peut nous quand même autoriser à doubler. C'est un peu bizarre leur truc, mais bon c'est comme ça. Hein. Ok. J'avais tort. Autant pour moi. Le bouton qui actionne les feux de détresse est généralement situé à droite du conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Généralement. On va dire oui, allez. Les feux de détresse permettent d'allumer tous les clignotants en même temps en cas de panne ou d'accident. Le bouton comporte un triangle rouge qui clignote quand on le met en service. Afin qu'elle soit accessible, y compris par les passagers en cas de malaise du chauffeur, cette commande est généralement située à droite du conducteur. Réponse. Bon, on bah, être plus attentif là. là ok, ok, tourne à droite. un radar. Un camion. 90. Je me suis inséré en sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah, il faudrait dire oui. Pas de raison. Bon, bah je passe. Ouais, ou alors, il n'y a rien de spécial. Hein. Une situation tout à fait classique. Il a utilisé juste la boîte d'accélération jusqu'au bout, c'est tout. Alors, le limiteur de vitesse permet de ne pas dépasser la vitesse autorisée. Oui. Réponse A. Bon, oui. Non. Réponse B. Ah attends, alors ça, ça de va être une question de sécurité. Compte. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. On va dire oui. Parce que avec leur logique à la con, mais là je ne serais pas d'accord. Et conduire en sécurité, euh, je ne vois pas en quoi ça change. Et le conduire en limiteur, on, on va dire oui. Oh non, on va dire non. Plus de poil. Hein. Le limiteur de vitesse représente sur le tableau de bord un panneau de limitation de vitesse. Jusque-là tout va bien, et on comprend qu'il ne va pas être souhaitable d'aller au-delà d'une vitesse maximale choisie par le conducteur. Quoi qu'on fasse il sera souhaitable de ne pas outrepasser la vitesse la... Comment programmée. Tu vas bien Sauf cas d'urgence, pour la sécurité des divers usagers rencontrés sur la tu chaussée. Vas bien Réponse A et D. Alors, voilà pourquoi, en quoi je ne suis pas d'accord là-dessus dès le début. Hein. Je l'ai vu, je n'étais pas d'accord. Euh, permettre de ne pas dépasser la, limite, la, la vitesse autorisée, c'est complètement faux. Parce qu'imagine que tu étais sur l'autoroute et que tu l'as branché à 110, que tu n'as envie, que tu as oublié de bouger ton, euh, ton limitateur. Euh, pour une x raison, bah tu te retrouves à 110 en Donc, ça c'est faux. Bah tu peux te retrouver à 110 en Donc euh, voilà pourquoi j'étais pas d'accord. J'ai le crâne en live, le voisin fait des putains de travaux. <laughs> ah c'est con ça. Si Le limitateur permet, euh, de ne pas dépasser les vitesses autorisées. Et c'est là que je suis pas d'accord. Bah je vais trop loin, je vais dans une situation normale que quand je conduis, quoi, c'est tout. Je me mets à la place du conducteur euh, quand je conduis. Je me mets, je m'imagine moi en tant que conducteur dans cette situation. Voilà, c'est tout. Comment moi j'agirais... Euh... Bah, bah non, ça change de rien. Le limitation ne permet de ne pas dépasser une vitesse. C'est à toi de après de gérer l'accélération, le machin, le truc. Euh... Voilà. J'étais trop loin pour l'autoroute. Imagine, voilà, qu'on était sur une nationale à 80. Que j'ai un A. Oui, bien sûr, ça remplace pas les yeux, je suis d'accord. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Hein. Mais, ce euh... panneau peut mettre bon, fin soit. à une limitation de vitesse. Oh, Réponse putain. A, à une interdiction de dépasser ah, je eu hier, -là. Réponse B. À une interdiction de klaxonner. Ouais, ou Réponse je Réponse C. À une interdiction de stationner. Réponse D. Les panneaux de signalisation en noir et blanc mettent fin à des interdictions. Et ce panneau en particulier peut ah, mettre fin si, à des si, si, interdictions précédemment prescrites. Il peut s'agir d'une fin de limitation de vitesse, d'une fin d'interdiction de dépasser, d'une fin d'interdiction de stationner. mais en aucun cas il ne peut s'agir d'une fin d'interdiction de stationner. Réponse A. B et C. Dans certaines, dans certaines zones en ville, genre les hôpitaux et compagnie, t'as pas le droit de klaxonner. Euh... Donc euh, voilà. Dans certains endroits, t'as vraiment pas le droit de klaxonner quoi qu'il arrive quoi. Bah. Pff, tu me mets pas ton limitateur, je suis pas d'accord. C'est un bon moyen de ne pas dépasser les 50, hein, quoi qu'il arrive. Le limitateur pour moi euh, est, est beaucoup mieux que le régulateur en ville. Coucou hein. Green. Le régulateur est dangereux en ville, ouais, parce que tu quoi qu'il arrive, tu vas rouler à 50. Mais ton euh, ton limitateur me permet au moins de ne pas dépasser le 50. Et mais pouvoir moduler ta vitesse Bah, ah oui, bah, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe, quoi. Il faut faire gaffe où on roule. Comme l'a dit Sylvie, non C'est à moi de faire gaffe. Hein. Sur une route vallonnée, pour faire des économies de carburant, ah bah il tiens, est préférable d'utiliser le régulateur de vitesse. Par par de réponse A le limiteur de vitesse. Réponse B. J'ai dit, mis... dit le limitateur. Oh, C'est du beau français, encore. Les côtes sont particulièrement gourmandes en carburant. En effet, le poids de la voiture entre en ligne de compte, exactement comme un vélo. Pour limiter la consommation, le mieux est de ne pas chercher à conserver la vitesse maximum le... autorisée oh, d'accepter de perdre un peu de vitesse qui pourra être regagnée dans la descente suivante. Or, le régulateur, une fois enclenché, garde la vitesse programmée, même en côte, alors que dans la descente suivante, le conducteur sera peut-être obligé de freiner, parce que le régulateur n'agit pas sur les freins. Le limiteur de vitesse permet de choisir la vitesse à ne pas dépasser. Mais le conducteur a toute liberté de rouler moins vite, c'est lui qui contrôle l'accélérateur, et donc, il peut réduire sa consommation en laissant ralentir sa voiture dans les côtes. Réponse B. Bizarre, il a pas eu la réponse avec le A ah, Sylvie au moment. suis persuadé que si. Non. Ouais, les zones euh, les zones de, de rencontre limitées à 20. Donc les panneaux bleus là, tu vois tu vois les deux garçons, enfin les deux euh, deux trois civils. Là. Deux, trois civils sur le panneau. Non moi j'ai encore faux. Je tourne à droite, je passe avant la voiture blanche. Oui, réponse A, non. Réponse B, avant la cycliste. Oui, réponse C, non. Réponse D. Euh, oui, le fameux speed dating, ouais, tout à fait, c'est ça. Euh, avant la voiture blanche, oui, avant le cycliste, non. Ouais, ça doit être ça, ouais. La voie dans laquelle je circule est bordée d'une bande cyclable. La voiture en face vient d'allumer son clignotant gauche. Pour ma part, je veux tourner oh, à droite, je rappelle, là, mais je vais devoir céder le passage à la cycliste aperçue dans le rétroviseur. Je passe avant la voiture blanche, mais après la cycliste. Réponse A et D. Il pleut fortement, les essuie-glaces n'évacuent pas suffisamment l'eau. Je ralentis. Réponse A. J'accélère et je dépasse le camion. Réponse B. Je m'arrête à la prochaine heure de repos. C Réponse C. Bon, ouais, c'est vraiment plus long et plus chiant. Ouais, 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 ouais c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Là, euh, là, je entre, je m'arrête à la prochaine heure de repos. Hein, franchement, avec eux. Allez, fais le mettre parce que sécurité avant tout. Parfois, pour la sécurité, certaines conditions météorologiques peuvent m'inciter à renoncer à conduire. La pluie en fait partie. Quand la est abondante et que les essuie-glaces ne suffisent plus à évacuer l'eau, je ralentis. Ensuite, dès que cela est possible, je m'arrête afin de laisser passer Mais le vite en tout cas. Pouvoir repartir dans de bonnes conditions est important, pour ne pas mettre en danger les autres et moi-même. Réponse A. Et C. Le téléphone peut entraîner une baisse de vigilance s'il est utilisé. Sans quitte main libre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avec une oreillette. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ah, j'ai peur de mon français. Euh. Le téléphone peut entraîner une baisse de bilan qui s'est utilisée sans quitte-main-livre avec horriètre. Okay, ça ça. La conduite exige du conducteur une attention soutenue ainsi que la possession de toutes ses euh, capacités pourquoi Complètement pour con, conduire la réponse. en toute sécurité. Sur la, le, euh, sur la, de sur la photographie de P, l'usage d'un téléphone qu'il soit tenu en main ou utilisé avec une oreillette augmente la charge mentale du conducteur. Une discussion téléphonique dévie l'attention du conducteur, entraînant une baisse de vigilance et une augmentation du temps de réaction. Pour cette raison, la conversation avec un téléphone tenu à la main ou en utilisant un kit main libre avec oreillette est interdite. Réponse A et C bah, C'est du double camion en cas de forte pluie euh, T'as des grands risques d'aquapaline. Déjà un ils vont te dire tu vois rien parce que il fait, euh, ils l'ont dit hein, la pluie est tellement dense que les, les, la, les, les balais de glaces n'arrivent pas à évacuer la, la route. Donc déjà euh, le problème c'est que bah, après du coup tu vois rien et qu'avec les projections des camions euh, ça augmente. Ah, donc du coup tu peux pas voir en face ce qui arrive. Donc c'est dangereux. Voilà. Bah, non, si tu laisses une bonne distance à sécurité, euh, il balancera plus de flotte. Tu restes derrière lui. Et t'attends que la puce calme. Ou alors tu t'arrêtes. Si c'est vraiment le déluge. Ouais, mais qui te dit qu'il n'y a pas un. Ouais, enfin. Enfin ah bon, moi je me suis fait niquer sur ce genre de truc, donc c'est pour ça que voilà, je commence un peu à le connaître à force le code de la route de mer. Dans cette situation, enfin, leur je chevauche la ligne axiale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils ont leur logique. Hein. Je circule sur une ne vaut pas de la montagne. logique ils ont Et leur logique. Moment, ils sont fréquents. Ils entraînent une maintenance régulière. Ici, une équipe d'entretien s'active sur l'accotement à droite. La ligne en pointillés serré n'interdit pas de manière catégorique son franchissement. Elle autorise le dépassement de véhicules lents. J'ai une vue plutôt dégagée jusqu'au prochain virage, qui est assez éloigné. Pour la sécurité de ces hommes, je peux franchir la ligne axiale afin d'augmenter l'intervalle de sécurité. Je reste attentif à la circulation qui peut provenir d'en face. Réponse A. Je suis bien placé pour aller à Mérignac. Réponse A. Ah, Mérignac. Dans le centre-ville. Réponse B. À la gare Saint-Jean. Réponse C. Oui, j'avoue, je suis tout à fait d'accord avec toi, Vic. La signalisation directionnelle est très claire ici. Ouais, ouais, exactement. Trois, trois voies. Si à... Trois directions différentes, trois panneaux explicites. Si J'arrive à choper leur logique. J'ai du mal. Je suis bien placé pour aller dans le centre-ville. J'ai du mal. Rien ne m'interdit de changer de voie pour aller à la gare. En revanche, le changement de voie serait plus délicat pour aller vers Mérignac. Réponse B. Pourquoi je sais Moi, là, il n'y a plus les panneaux, mais bah, non. Euh, tu vas tout droit. C'est la voie pour aller dans le centre-ville, hein, ou le lac. Bon, la gare, j'en sais rien. Il faut, 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 faut être du coin. Hein. Elle n'est pas marquée, là. Le régulateur adaptatif garde automatiquement une distance de suivi avec le véhicule précédent. Oui. Réponse A. une distance de suivi Non. Réponse B. C'est quoi une licence de suivi? cet équipement utilise un radar ou un laser pour mesurer la distance ah, okay. et la vitesse d'approche du véhicule qui me précède sur la même voie. Oh, enfin, cela euh, permet d'ajuster la vitesse si automatiquement je tous les afin je rester aussi, à une distance prédéfinie je peux pas sortir. par le conducteur. puis une fois la route dégagée de l'obstacle, le système revient à la vitesse initiale. attention cependant, ce dispositif n'effectuera pas de freinage d'urgence à la place du conducteur. Ce dernier doit porter sa concentration sur l'évolution de la circulation. Réponse A. C'est pas fier comme système. Ta cam Ouais, je sais que ma cam est petite, c'est pour, euh, pour qu'on puisse lire correctement toutes les réponses. C'est pour éviter qu'elle qu qu empiète sur les euh, sur, sur les questions. Parce que sinon. Euh, bah là on s'en fout de ma cam quoi, c'est pas. Là, ah merde, si. Je... Je clique sur l'écran, mauvais écran. Là, c'est vraiment, euh, j'ai pas, j'ai même pas mis mon overlay, mon, mon, mon overlay à rien, parce que sinon, ça bouffe trop, ça bouffe trop d'écran et on voit plus, on voit plus rien. Ah, mais je me corde d'écran, excusez-moi. <laughs> ah. D'accord, d'accord. Il n'a pas mis ses pampons. De toute façon, c'est pas un véhicule prioritaire. Il a oublié son clignotant. Pour tourner à gauche, j'avance au niveau du bus. Réponse A. Je reste en retrait du bus. Ah, la question. Pont. Réponse B. Ah non, j'avance au niveau du bus. Il est pas sur sa voie. Il est pas sur la bonne voie. Oh. Il est pas sur sa voie, putain, il respecte même pas le code aussi. Oui, ça, j'ai vu qu'il avait mis, mais je pense qu'il l'avait oublié. Moi, le bus cherche à tourner à gauche. Non, Pour prendre mes décision, je dois tenir compte des particularités de ce véhicule. Il est peu maniable et son gabarit risque de l'amener à empiéter sur la voie de circulation sur laquelle je circule. Pour éviter d'être surpris par sa trajectoire, de le surprendre et ne pas le gêner dans sa progression, je reste en retrait du bus. Réponse B. Moi, je pensais qu'il l'avait oublié, son clignotant, ou que, euh, voilà, le, le retour, il avait pas marché. Bah, euh. Il n'est pas, pas sur la bonne voie. Euh, moi, il n'est pas censé tourner à gauche, là. Hein, même si qu'il empiète sur les voies. Il est pas censé tourner à gauche là. Hein. Il est censé ou elle est tout droit ou elle est à droite, hein. mais pas à gauche. Hein. Ouais mais tu toi, ça aurait été moi. à sa place, il y aurait eu une photocode, voilà. J'accélère. Oui. Réponse A. Non. Alors, réponse B. Là-dessus. je dis direct. Euh, je ne suis pas d'accord parce que voilà, je ne sais pas si je suis en A ou pas. Si je suis en A, je suis à 80 km/h. Si je suis pas en A, je peux aller à 90. Dans le doute, je vais dire non parce que c'est la sécurité avant tout, mais voilà, tu es en A, tu sais avant pas accélérer. Pas, je, je, il faut prendre en clair. compte l'environnement. Un peu plus loin, on peut apercevoir un panneau annonçant un carrefour à 100 giratoire. Dans ces circonstances, il devient complètement inutile d'accélérer pour freiner dans son maître. Les principes de l'éco-conduite et de la conduite en sécurité incitent même à lâcher complètement l'accélérateur. L'approche du carrefour à sens giratoire se fera sur l'élan magasiné. Bilan moins de consommation, moins d'usure de véhicule et plus de sécurité. Bah, Réponse B C'est pas une faute de code de la route. Euh, C'est une mauvaise conduite qui n'est pas écologique, qui n'est pas, euh, qui, mais c'est pas une mauvaise, euh, c'est pas une mauvaise situation. C'est bête, mais c'est pas, c'est pas une photocode. code, techniquement... Si je suis pas en A, donc j'ai droit à rouler à 90. Après, je suis con, je, je gère mal ma vitesse ou et, et compagnie, mais c'est pas une photocode. code, le code de la route. Non mais de toute façon Total alors a toujours raison il il, il est euh, il est moniteur donc c'est euh, <laughs> passé pour lui et moi c'est ma, ma logique à la con oui bah oui bien sûr as un problème bah, éco 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 à, en écologique mais euh... discute pas hein. oh c'est la première fois que voir annonce un passage à niveau. Ah oui ah en bleu. bleu non réponse B les trois traits atiques le passage Signale à niveau un là. obstacle proche de la chaussée oui réponse C non. Réponse. Ils oh, des... étaient en rouge les balises des euh, euh... passages à niveau. On va dire non parce que ça paraît trop bizarre. Le projet associé, on va dire oui. En bleu, c'est la première fois que je les vois. Plusieurs balises se ressemblent. Attention de ne pas les confondre. Celle-ci est utilisée pour annoncer l'approche d'un passage à niveau. Celle-là sert à délimiter des obstacles temporaires. Elle est utilisée dans des zones de travaux. Cette dernière positionne un obstacle proche de la chaussée sur une route relativement étroite. Ce danger est permanent. Réponse B et C. La barrière non. se ferme. J'ai encore le temps de passer Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je n'ai jamais vu se fermer les barrières. Depuis euh, le temps que, bon, que, que, que je suis euh, avec mes parents ou des amis, je n'ai jamais tôt. vu les barrières d'autoroute se fermer. En amont, des feux rouges clignotent et les barrières se ferment. Je dois impérativement m'arrêter. Ouais, fonce. <laughs> Même si des véhicules devant moi vont entrer dans le tunnel, ils seront arrêtés un peu plus loin par des feux rouges clignotants. Les feux peuvent s'allumer en cas de congestion dans un tunnel, en cas d'accrochage, en cas d'incendie, les raisons sont multiples mais le comportement est unique s'arrêter. Réponse. Si vous est... êtes déjà arrivé vous de voir ces euh, ce genre de barrière ça euh, s'activez-vous Que moi j'ai jamais vu encore. Hein. Après je suis pas toujours sur la route. Bien hein. conducteur. Bien entendu. La classe énergétique du véhicule donne une indication sur la consommation moyenne. Réponse A. Euh, ça oui. Sur les rejets en CO2. Ça oui. Réponse B. Sur le prix non. Sur le prix. Réponse C. Niveau sonore. Sur le niveau sonore. Bah non. Réponse D. La classe énergétique pas le niveau sonore. Lors euh, de l'achat d'un véhicule, il est important oui. de tenir compte de sa ah, classe ouais, énergétique. Coûte, il sera parfois plus judicieux d'investir un peu plus dans un véhicule bien classé. <laughs> en effet, <laughs> les classes arrivé. énergétiques indiquent la quantité de CO2 rejetée dans l'atmosphère. Et la quantité de CO2 rejetée dépend directement de la consommation du véhicule. Au fil des ans, un véhicule bien classé et bien entretenu. Permettra de faire des économies de carburant et d'argent. B et C. A et B. Je me suis trompé de voix. Je change de fil pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Dès le c'est compris. <laughs> bon, comme souvent à Paris, hein. Enfin, je sais pas, c'est pas à Paris, mais laisse tomber. À Paris, c'est. Euh, si t'étais pas au taquet, t'étais fait klaxonner direct dans, dans les une seconde où il passe au vert. Je suis dans la voie de droite, sur une route comportant <laughs> trois <et> voies. <laughs> J'aperçois dans mes rétro extérieurs et intérieurs une longue file de véhicules. Les feux sont au rouge pour l'instant. Une flèche directionnelle m'impose de rester dans cette voie alors que je voulais continuer tout droit. Il est évidemment trop tard pour changer de fil. Réponse B. La signalisation indique la présence d'un poste d'appel d'urgence oui réponse A non réponse B d'un ou plusieurs extincteurs oui réponse C non réponse D. Ces deux panneaux associés indiquent la présence d'un poste de sécurité mis à la disposition des conducteurs. En utilisant la borne SOS, le conducteur pourra signaler un incident et obtenir des informations sur le comportement à adopter. Le conducteur pourra aussi trouver un ou plusieurs extincteurs qui doivent servir pour lutter contre un début d'incendie sur son véhicule ou un autre véhicule. Réponse A et C. Le système actif de contrôle de pression des pneus indique leur état d'usure. Bah oui, réponse A. Non, réponse B. <laughs> crevette. Quand t'as perdu ton briquet pour allumer ta globe. <laughs> Chaque fois que l'on parle des pneus, on insiste lourdement sur leur singularité qui les retient à la route. Les pneus ont bien entendu un rôle extrêmement important pour la tenue de route, de même que le système suspension-amortisseur qui maintient le véhicule à la chaussée. Le système actif de contrôle de pression des pneus permet d'améliorer la sécurité en luttant efficacement contre les crevaisons non détectées ou qui perdent progressivement une part de la pression des pneus. En outre, un pneu sous-gonflé offre une résistance au roulement, ce qui a pour conséquence une surconsommation de carburant. Réponse B. Je veux aller tout droit mais le conducteur derrière moi fait des appels lumineux. Je tourne à droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non. Je veux aller tout droit foc. et le conducteur derrière moi fait des appels lumineux. Je m'interroge. Suis-je bien placé pour aller tout droit? Pourquoi le conducteur me met-il la pression? La voie dans laquelle je suis me permet non seulement de tourner à droite, mais aussi d'aller tout droit. Une flèche s'est allumée, mais je ne suis pas obligé de tourner. Le conducteur pense-t-il que la voie dans laquelle je suis permet uniquement de tourner à droite? Pour lui faire comprendre mon intention de ne pas bouger, j'allume les feux stop en appuyant sur la pédale de frein. Quoi qu'il en soit, je ne me laisse pas influencer par ce conducteur. Certaines infractions faites lors de la conduite accompagnée risquent de m'empêcher de passer le permis de conduire. Oui. Réponse A. Non. J'en sais rien, Réponse moi. B. Je, ben, je m'ai jamais fait le code, le code accompagné. C'est des trucs spécifiques au code accompagné, ça ben, On va dire oui. Hein. Même en tant qu'apprenti conducteur, en A à C ou lors de la conduite supervisée, je suis responsable pénalement et civiquement des infractions que je commets. Je peux donc être redevable d'une amende. Si l'infraction est jugée suffisamment grave, les autorités peuvent même mettre fin à la conduite accompagnée et m'interdire de passer le permis de conduire pendant un certain temps. En cas d'alcoolémie ou de faute très grave, la responsabilité pénale de l'accompagnateur peut également être recherchée. Réponse A. Je peux circuler sans feu, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de position, réponse C. En feu de brouillard, réponse D. Ah, il fait de croisement, je ne sais plus. Feu de brouillard, c'est certain. De croisement, allez. Il neige à euh... gros flocons. Coucou! Impensable dans ce type de situation coucou, de rouler sans coucou, aucun feu. Je, je, je Cela X. représenterait un danger pour soi et pour les autres. Merci d'être venu. Rouler en feu de position est insuffisant. Bienvenue. Pour faire Il du faut code au de la route. Je vais allumer les feux de croisement et au mieux tous les feux de brouillard avant et oui, après. Oui, ça va, tranquille, merci. Et toi? Réponse B et D. Avant de monter en voiture, je contrôle l'aspect des pneus. Oui? Réponse A. Non. Réponse B. L'absence d'obstacles autour du véhicule. Oui. Réponse C. Ça n'empêche pas hein. Non. Réponse D. Et les très euh, l'aspect des pneus. Bon, enfin, on peut dire oui hein, ça coûte rien, hein. allez. Chaque fois qu'on prend sa voiture, que ce soit pour un long ou un court trajet, il est franchement utile de faire le tour du véhicule pour s'assurer que rien ne s'oppose au démarrage. En effet, un pneu peut être dégonflé, un obstacle peut encombrer le démarrage de la voiture. Il ne s'agit pas de jouer au mécanicien, mais juste de prendre quelques secondes pour éviter de petits accros. C'est rapide et efficace. Je dépasse. Réponse A. Ou J'attends pour dépasser. Réponse B. C'est ce qu'il faut les changer. Oui. <laughs> ah, mais ils veulent dire genre c'est ce les pas pu Au volant, il faut toujours scruter l'environnement afin de rassembler de l'information. Ce camion roule lentement et pour cause, il est en train d'effectuer le ramassage des poubelles. Au loin, je vois que le feu rouge du passage à niveau <laughs> Le passage à niveau va être fermé. Quelle est ici la meilleure solution Rester derrière ou dépasser Il n'est pas toujours facile de décider si l'intervalle est suffisant pour se rabattre entre le camion qui risque de continuer d'avancer et la barrière du passage à niveau. Dans le doute, la meilleure solution est de rester derrière. Réponse B. Oh, km/h. Dément... Ils aiment bien les trains aujourd'hui. Accélère. J'accélère. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Aujourd'hui, j'aime bien les passages à niveau. Je crois que c'est la troisième ou quatrième. Un feu rouge, qu'il soit fixe ou clignotant, impose l'arrêt dans des conditions normales de sécurité. La balise située à droite m'indique qu'il me reste 50 mètres environ avant le passage à niveau. À 70 km heure sur sol sec. Il me faut un peu moins de cinquante mètres pour m'arrêter. Il n'y a pas de danger derrière. Je n'écoute pas ma passagère, ce serait une très mauvaise idée. Le conducteur est le seul maître à bord. Réponse B La vitesse est limitée à. 90 km/h Réponse A 80 km heure Réponse B 50 km/h Réponse C Quoi c'est que cette question là Pourquoi 4... sur cette route à double sens Ah, il pleut. la signalisation indique que je peux rouler jusqu'à 90 km/h. Cette autorisation s'applique quand les conditions de circulation sont bonnes. Ici, il pleut. Dans cette situation, je réduis mon allure pour ne pas dépasser 80 km/h. Il peut même être utile de ralentir encore plus si les conditions sont très mauvaises. Ouais, bah encore une session de code catastrophique. Putain, j'aurais pas poiré la dernière question, hein. C'était bon. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'ai eu un doute à un hein, moment. C'est j'ai mis du temps à réfléchir. Bon. Alors, as vu, t'as vu la courbe, c'est catastrophique. Alors de toute façon, moi je serais pas satisfait tant que je serai pas à trois fautes minimum. En dessous, euh, en dessous, euh, je me dis, je suis, c'est de la merde. C'est clair et net. Et quelle heure, oh, c'est bon, j'ai le temps d'en faire. Non, merci pour le follow. Ah, mon but, hein, c'est de faire du trois fautes toutes stables. J'y euh, estime, parce avec mes problèmes de compréhension en français et compagnie, je me fais avoir, j'ai toujours une ou deux mauvaises réponses à cause de ça. Et il faut absolument que, euh, faut que je reste à trois fois. Mon but. Merci beaucoup pour le follow. Ce panneau interdit de dépasser les motos. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les sidecars Oui, réponse C. Non, réponse D. La définition exacte de ce panneau est Il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les deux roues sans sidecar. On peut comprendre que dans certains endroits, l'infrastructure permet de dépasser des véhicules de faible encombrement, comme les deux roues. Or, un sidecar est beaucoup plus large. C'est pour cette raison que cette signalisation n'interdit pas le dépassement des motos. Réponse B <laughs> et C. Bonne année. Le feu de croisement gauche ne fonctionne pas. Je peux circuler en feu de brouillard avant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En feu de position uniquement. Oui. Réponse C, non. Réponse D. En feu de brouillard avance à ah oui. En feu poé son sol, non. Il pleut. Le feu de croisement gauche de ma voiture ne fonctionne pas. Hors agglomération. Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques, Plutôt que de rouler avec un véhicule borgne, il est préférable d'allumer les feux de brouillard avant afin d'être sûr d'être vu. Les feux de position uniquement ne sont pas suffisants. Et bien sûr, dès que possible, je change l'ampoule défectueuse. Réponse A et D. Ils ont dit avant, hein, pas arrière. Arrière, c'est interdit ce que ça peut éblouir. Mais avant, ils n'ont jamais dit que ce n'était pas autorisé, les feux anti -brouillard. De toute façon, les feux anti sont autorisés quand il pleut à l'avant. Pas à l'arrière, mais à l'avant, oui. Parce... Mais c'est. Si euh... j'ai de force, il me le dit, tatal. Ah voilà, brouillard avant. BM... BMP. Ah joli BMP comme la banque. Ah je savais pas. Brouillard, pluie, neige. Ah ouais. <laughs> je savais pas ça. C'est cool ça. Je m'arrête pour laisser traverser les enfants. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Non. Je leur fais un gros fuck en passant. Deux enfants sont arrêtés sur le trottoir et observent la circulation. Peut-être ont-ils l'intention de traverser. Je suis suivi d'assez près par un véhicule et j'aperçois un peu plus loin un passage pour piétons. Favoriser la traversée de ces enfants est à coup sûr prendre le risque qu'ils traversent en courant sans tenir compte de la voiture qui arrive en face. Je ne m'arrête pas pour laisser traverser ses enfants. Pour continuer, je me place en A, réponse A, en B, réponse B. <laughs> J'ai eu un doute, hein. J'ai eu un doute. C'est la largeur. Euh, en fait, ce qui m'a aidé, c'est la largeur de la route. Il si est trop large à droite. Si elle est trop large euh, pour pouvoir. Euh, c'est bizarre qu'il euh, euh, y ait une telle différence de largeur. Ça le qui marquage a... au sol indique que la voie de droite est une voie réservée. Compte tenu de la largeur de la voie, il semble que ce soit une voie réservée aux bus. Je n'ai pas le droit d'y circuler de m'y arrêter ni d'y stationner que, pour ici. continuer je me place je dans, dans la voie A pour la réponse bon A moi. Je ralentis, réponse, réponse B <laughs> faciliter le passage à ce motard, motard est obligatoire ah. oui réponse A non réponse B non c'est civique présente un risque oui. Réponse C. Non. Réponse D. On présente un risque. On va dire non. Ah putain. Vu leur encombrement, les motards utilisent des espaces réduits pour effectuer des dépassements. Une expérimentation est tentée dans plusieurs régions en termes de circulation interfile. Actuellement, il n'est pas obligatoire de laisser passer les motos qui veulent se glisser dans un espace restreint. Dans la situation présente, ce motocycliste risque de découvrir tardivement le terre-plein central. Est-ce qu'on lui rend service en s'écartant Par conséquent, il n'est pas obligatoire de le laisser passer. Dans le cas présent, cela comporte des risques. Réponse B et C. La règle dit... Salut Damso J'avais pas vu que tu étais là, excuse-moi. Je viens de faire 28 sur... 28 sur 40 au test. Ah lol, ah oui, bah. ouais, ouais. Oh, tu sais hein. J'attends la réponse. Mais euh, je présente un risque. Ouais, enfin, un risque Ouais, ouais, ouais. D'accord, je, je, je comprends leur raison. Enfin, leur, leur en question. cas de déménagement dans une autre région, je peux conserver les plaques d'immatriculation d'origine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je euh... dois signaler ma nouvelle adresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Euh, oui, parce que tu peux. Ah, euh, oui, je crois. Je sais pas si on peut garder. Je sais pas si on peut garder ses propres plaques. Je sais pas. Euh, je sais pas, j'ai pas de voiture, j'ai jamais eu le cas. Mais bon. Avec le système hein. d'immatriculation, le véhicule conserve la même immatriculation de, de sa semblait. première mise en circulation jusqu'à sa destruction. Ouais, c'est lié à la voiture maintenant. Même en cas de déménagement hors de la région d'origine les plaques conservent donc le même numéro. je peux les conserver telles quelles, comme je peux aussi décider de les changer pour modifier le logo de la région et le numéro de département. cela est d'ailleurs valable à n'importe quel moment. en revanche, je dois signaler mon changement d'adresse à l'occasion de tout déménagement pour une mise à jour administrative et cela dans un délai de un mois. dans ce tunnel, L'arrêt est interdit sauf urgence Oui, réponse A Non, réponse B L'allumage des feux est obligatoire ouais, est Oui, réponse C Non, réponse D Ce panneau indique l'entrée d'un tunnel Le panneau saut de distance indique la longueur de ce tunnel Ce panneau à lui seul synthétise trois règles. Obligation d'allumer les feux de croisement, interdiction de faire demi-tour, interdiction d'arrêt et de stationnement, sauf cas d'urgence. Pendant ah. toute la traversée du tunnel, je devrais respecter ces trois règles. Réponse A et C. Doit remonter, alors, la remontée par des deux roues est autorisée sur... Sur les chaussées à double sens séparées par un terre-plan central, les deux roues doivent remonter les files de véhicules entre les deux voies les plus à gauche. Sur une route limitée à 70, si la, vit euh, si la vitesse d'arrêtement reprend à 50 km/h, l'interfile s'arrête. Ok. Pourtant, Tatal, euh, le code Rousseau m'a dit qu'ils avaient le droit de, de faire l'interface sur les, sur les deux voies, hein, à gauche et à droite. Hein. Là, je me rappelle très bien, je me suis fait niquer. Ils m'ont posé la question justement, donc moi j'ai répondu à gauche, euh, comme on a toujours vu. Et ils m'ont clairement dit qu'ils pouvaient remonter dans les deux sens. Hein. Donc, euh, voilà quoi. Je dis pas que t'as tort, hein, mais euh, encore une situation ambiguë de, de, du code Rousseau. La voiture blanche roule moins vite que moi. J'accélère. Réponse A. Je garde la même allure. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Je prends la voie de gauche. Réponse D. C'est gagné. <laughs> Je suis sur une route à sens unique. La voiture devant moi, clignotant gauche allumée, veut s'insérer dans la voie de circulation normale. Son allure est plus faible que la mienne. J'aperçois dans le rétroviseur une voiture qui me dépasse. Il est impensable que je prenne la voie de gauche ou que j'accélère. Dans cette situation, je ne peux que ralentir pour laisser s'insérer la voiture qui me précède. Réponse C. Cette limitation de vitesse est permanente. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les panneaux temporaires ne sont pas obligatoirement de couleur jaune. Les panneaux d'interdiction temporaire par exemple, sont les mêmes que les panneaux permanents, blancs. Mais il est facile de les reconnaître. Ils sont posés à même le sol sur la chaussée ou l'accotement. Réponse Sans compétence particulière, faire un massage cardiaque est impossible. Réponse A est possible. Réponse B. C'est possible, mais il euh... faut, faut, faut savoir les faire. Quoi. Faut, faut, il y a une règle. Euh, on va dire bah, possible. Allez. Allez. Sans compétence particulière, il est possible de faire un massage cardiaque. Il faut tout d'abord appeler le 15. Le médecin urgentiste donnera les bonnes recommandations. Il faut réaliser des compressions sternales de 4 à 5 cm en restant bien vertical. Le sauveteur se place à genoux auprès de la victime et coude bloqué, non fléchi, le sauveteur commence les compressions. Le pire serait de ne rien faire. Rappelez-vous que vous devez agir rapidement. Réponse B. Ouais, enfin, c'est un peu vache leur question, là. Parce que une compétence particulière peut être considérée comme une acquisition de, de théorie. Qui est une compétence. Euh, donc du coup, si tu ne sais pas faire un massage cardiaque, euh, bah, c'est compliqué. Euh, parce que ça a beaucoup changé entre temps. À un moment, c'était 15 pulsations, tu t'insuffles deux fois. Après, on est passé à 5. Maintenant, c'est 4. Euh, ça change tout le temps. Donc, c'est un peu, c'est un peu ambigu leur question, quand même, là. Euh, moi, euh, quand j'ai passé mon SST, c'était 15. Quand à l'armée, et quand j'ai fait mes, euh, mes, euh, ça euh, chez euh, les pompiers militaires, euh, pendant mon service militaire, c'était 5. Maintenant, ils disent, euh, maintenant, ils disent que c'est 4. Donc, euh, sans compétences particulières, je dirais, non, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais c'est pas possible, quoi. C'est, c'est, c'est pas clair. Pas clair. Je dois céder le passage au bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en ville. J'approche d'une intersection. L'autobus qui arrive sur ma droite et qui désire tourner à gauche rencontre un céder le passage, comme le montre la présence de cette ligne. Les bus en agglomération ont quelques privilèges mais ne deviennent jamais des véhicules prioritaires. Je dois leur faciliter le passage quand ils quittent leurs arrêts, et aussi lorsque le passage est étroit dans une rue ou en intersection. Dans cette situation, je ne dois pas céder le passage au bus. Réponse B. Enfin bon, ce qu'ils n'ont pas précisé, dans reviens sur le massage cardiaque, euh, ce qu'ils n'ont pas précisé qui est le plus important, c'est de contrôler s'il y a un pouls. Et le contrôler sérieusement. Pas genre, je mets les, les doigts sur l'artère la, sur la, sur principale du cou pendant 10 secondes, c'est pendant une minute. Et il faut te concentrer à mort, voir si tu sens une pulsation. Parce que si tu fais un massage cardiaque sur quelqu'un qui, qui a le cœur ralenti, tu arrêtes son cœur. Et bon, ça, en général, c'est pas très conseillé. Le faire mal, à la rigueur, c'est pas... C'est gênant, c'est grave, bien sûr, parce qu'il n'est pas effectif, mais au moins, tu as essayé de le faire. Mais euh, le faire sur un vivant, euh... même mal, t'as vraiment des risques de l'arrêter. Et ça, ça arrive souvent. Alors... Mouan. Je suis à bonne distance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je suis à bonne distance. Non. C'est de trait. Je dépasse. Oui, je peux. La fermeture cardiaque, c'est chaud. L'espace qui me sépare du véhicule est désormais d'environ 40 mètres. En roulant à 120 km/h, la distance de sécurité doit être au minimum de 72 mètres. Je ne suis donc pas à bonne distance. D'ailleurs, ma distance avec ce véhicule se réduit de plus en plus. Je roule donc plus vite que lui. Aucun véhicule n'est en train de me dépasser. Je peux dès maintenant commencer le dépassement. Réponse B et C. En cas d'hypertension très élevée, je consulte un médecin agréé pour savoir si je suis autorisé à conduire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La info, pression artérielle question. correspond à la force exercée par le sang contre les parois des artères. Euh, Lorsqu'elle est trop importante. Les artères vieillissent plus vite, le cœur plus sollicité se fatigue. L'hypertension favorise les infarctus et les attaques cérébrales. Au-dessus de certaines normes, le risque de perte de connaissance est important. C'est pourquoi une visite médicale devant un médecin agréé est obligatoire. En France, oui. l'hypertension artérielle touche plus de 14 millions de personnes. Pensez à faire vérifier votre tension de temps en temps. Réponse oui, c'est le code de la route, hein. je te rassure. Ah, bah ça a bien changé le code. Hein. Maintenant, il y a mieux des questions quand t'es civil piéton sur le. J'ai 41, non Sur cet emplacement, je peux m'arrêter pour changer de conducteur. LOL. Oui, réponse A. A. Oui, réponse B. Utiliser mon téléphone portable. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Bah, euh, Ni l'un ni l'autre. Lol. Sur les autoroutes, les arrêts et stationnements doivent se faire sur les aires de repos. La Mais, question pourquoi est. Pourquoi tu demandes ça à circule t on sur l'autoroute? Oui, si l'on regarde la borne placée sur le rail de sécurité centrale. Bien. Car la Tourneille partie pour rouge toi. de la borne porte la Tourneille lettre A, symbole de autoroute. Je circule sur l'autoroute A11 et je ne dois utiliser la borne d'arrêt d'urgence qu'en cas grave, panne, malaise. Réponse B et D. Bah moi, je, ça fait euh, 40 ans que je suis à Paris, je n'ai jamais eu besoin de permis. Euh, je n'ai pas besoin de permis à Paris. Euh, je le passe euh, par obligation parce que je vais, je vais euh, déménager en campagne, donc je n'ai pas le choix. C'est pas une base. Je suis pas d'accord avec toi. J'ai même travaillé 12 ans en itinérance. Donc, en itinérance, ça veut dire que j'avais pas de lieu de travail fixe. J'avais une cinquantaine de clients euh, dans différents secteurs de la région parisienne et de Paris, euh, et ça m'a jamais permis, ça m'a jamais empêché de travailler pendant 12 ans. Donc, c'est pas une base, non. Ça, ça dépend de ta, de ta façon de vivre et de ta, de ta géolocalisation, je dirais. Mais ce n'est pas une base. Moi, je m'en sors très bien sans permis. Si je vis à Paris, euh, ça ne me pose aucun problème. Si je suis en campagne, ouais, ça me cause des problèmes. Vroom, vroom, pouet, pouet. <laughs> Je dis pas je dis pas la question de l'utilité. C'est pas la question. Ben, je, je discute pas la question de l'utilité. Oui dans certains cas ça peut être utile, bien sûr. Mais c'est tout. Mais après euh, euh, moi, euh, ça me pose aucun problème. Maintenant avec tous les systèmes, Même pour faire de la livraison de meubles de machin, maintenant il y a des systèmes de livraison où le gars il t'apporte ça chez toi. Il te les monte en plus. Physiquement. Donc euh, Non en cas de manque de liquide de frein, le voyant qui s'allume sur le tableau de bord sera le A. Réponse A. Le B. Réponse B. Le C. Réponse C. Sur les véhicules, ouais, il existe Je suis différents voyants de toi, couleur rouge, rouge bon. qui nous indiquent un danger. Le voyant B correspond à la température d'eau du refroidissement moteur. Le C, c'est le niveau ou la pression d'huile. En cas de baisse et de manque de liquide de frein, c'est le voyant A qui s'allumera. Ce même voyant va servir pour détecter si le frein à main est bien desserré. Réponse A. Je dois ralentir. Réponse A. M'arrêter. Réponse B. Regarder à gauche. Réponse C. Regarder à droite. Réponse D. Ce panneau indique la position d'un passage à niveau qui n'est muni ni de barrière ni de demi-barrière. La présence du panneau est donc importante car les rails sont parfois difficiles à repérer. La priorité est toujours donnée aux véhicules sur rail. Il est donc indispensable de regarder à gauche et à droite pour savoir si un train arrive. En général, en ville, sur ce type de passage à niveau, les trains passent lentement et sont parfois accompagnés par des convoyeurs. Même si aucun train n'arrive, je passe doucement. Réponse A, C et D. J'ai le droit d'installer un bébé dans un siège d'eau à la route s'il est placé à l'avant de la voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière de la voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. La tête d'un tout petit pèse près de la moitié du poids de son ah, corps. Arrière, pas. En position face à la route, en cas de choc frontal. La tête continue son mouvement vers l'avant. L'enfant risque des lésions graves pouvant entraîner la mort ou une paralysie. Dos à la route, les efforts sont répartis sur l'ensemble du corps. Oui, vrai, en plus, la bête. tête et le torse sont bien maintenus. C'est pourquoi il est conseillé de placer un bébé dos à la route chaque fois que c'est possible. Il peut être installé au choix à l'avant ou à l'arrière. Mais s'il est placé de faute. devant, il faut impérativement désactiver l'airbag. Réponse. Logique. A Je on réfléchir, c'est de ma faute. La vitesse est limitée à 30 km heure. si je tourne à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je continue tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le... Non, mais en plus, c'est logique ce qu'il dit, c'est C'est logique. Là, tu vois, j pas je suis en train de faire 30, dont les rues sont fréquentées par des usagers fragiles. La vitesse y est limitée à 30 km heure et toutes les rues peuvent être empruntées dans les deux sens par les cyclistes. Que je tourne à droite ou que je continue tout droit, la vitesse reste limitée à 30 km heure. Réponse A et C. Pour une conduite économique efficace, j'augmente la distance de sécurité. Réponse A. J'anticipe pour m'arrêter le moins possible. Réponse B. Je réduis la distance de sécurité. Réponse C. Bah j'anticipe, mais je vois pas en quoi la distance de sécurité fait sur une éco-conduite. Oh c'est allez en bas. La sécurité avant tout, allez. Avec le code. Pour pratiquer une conduite économique, je dois avoir le temps d'analyser l'évolution du trafic. C'est-à-dire anticiper. Plus la distance de sécurité sera importante, mieux je verrai vers l'avant et plus je pourrai adapter mon comportement. Euh, oui, tout à fait, Green. De plus, mon la les le énergivores est au démarrage. Effectivement, un véhicule en mouvement profite de son inertie et si la circulation repart, une petite accélération suffit pour avancer. Alors qu'une fois arrêté, beaucoup d'énergie est nécessaire pour lancer le véhicule. Donc, J'augmente la distance de sécurité afin de m'arrêter le moins possible. Ah d'accord, ouais. bon, Réponse bien fait. A et B. J'allume le clignotant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je dépasse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je dépasse, mais je dépasse. Ah oui, je dépasse les... Euh, bah, toute façon, oui, j'ai pas le choix. Pas, je veux pas freiner. Je veux pas m'arrêter. Lol. Ah non, je dépasse pas. Je okay. circule à contre-jour, mais j'aperçois malgré tout les piétons qui viennent dans ma direction. Donc, je fais quoi Je m'arrête Le au sol est fait d'une ligne continue infranchissable normalement. Mais ces piétons marchent dans ma direction et nos trajectoires vont obligatoirement se croiser. Je serai donc amené à les dépasser et pour ce faire, il est important que je communique mes intentions aux autres usagers avec le clignotant gauche. Mais je ne dépasse pas immédiatement parce qu'un écart alors qu'un véhicule oh. arrive en sens oh, inverse serait dangereux dans cette situation. Réponse A et D. Alors, dans, dans, la, dans la réponse, j'ai écouté, elle dit je serai amené à les dépasser, à les dépasser. Je ralentis et je les dépasse. Donc je dépasse. Faut arrêter la de jouer sur les mots. Elle dit je ralentis. Elle dit je, euh, je, vais les, je vais les dépasser. Mais il faut que je ralentisse et je dépasse. Quoi qu'il arrive, je dépasse. Donc ils n'ont qu'à mettre une troisième possibilité. Ralentir et dépassement. Quoi qu'il arrive, je suis obligé de les dépasser. Ah, ouais, hey, euh, c'est bon, quoi. Faut arrêter. J'suis désolé, quoi qu'il arrive, tu vas les dépasser, donc. Euh... Euh, non, non, je suis désolé. Euh... Alors, tout à l'heure. Enfin, bon, je, euh, non. Non, je suis désolé, non. J'ai le temps de passer. Oui, réponse A. À... Non. Réponse B. On ne joue pas avec le feu. Rouge, on s'arrête. On peut supposer que cette voiture s'est engagée sur le passage à niveau quand le feu était éteint. Oui, non, mais c'est clair. c'est Ce n'importe quoi. Je coup coup ralentis, d'accord. Je vais me foutre vais à 20 km heure, je vais les dépasser. Le mais je dépasse. Je ne vais pas m'arrêter en plein milieu de la route. Chaque année, une quarantaine de personnes perdent la vie en non mais franchissant cas là, je pile et puis voilà. Réponse B. Je vois, je vois les deux cyclistes, je mets un grand coup de pied sur le frein, je pile et puis... Euh, bah, je dis, bah désolé, je m'arrête il y a des piétons à côté. Et je vois laisser 1m50. Désolé, on est hors ville. Donc euh, je peux rien faire d'autre. Non mais lol. Connerie. Plus je roule vite, plus la distance parcourue pendant le temps de réaction est longue. Oh oui. Putain. Réponse A. Non. Réponse B. Plus je bois de l'alcool, plus le temps de réaction est long. Ah, Un mètre en ville, ouais. Un mètre, 50 en ville. Réponse C. Non. Réponse. J'ai pas fait gaffe, si on était en ville ou pas hein. ouais, euh, Plus je bois de l'alcool, plus enfin plus. Alors ça, à chaque fois, je me fais niquer. Plus je roule, plus, plus la distance parcourue pendant le temps de réaction est longue. Bof on va dire oui ou deux. On sait rien. À chaque fois je me fais ces conduite, c'est percevoir quelque chose, l'analyser et décider d'agir en conscience. conséquence. Et agir, c'est appuyer sur le frein ou tourner le volant. Mais entre le temps d'analyse et le temps d'action, il s'écoule environ une seconde pendant laquelle le véhicule continue d'avancer à la même vitesse. Donc, plus on roule vite, plus la distance parcourue pendant cette seconde est longue. Si j'ai bu de l'alcool, mes facultés intellectuelles sont amoindries et je réagis plus lentement. Donc, plus je bois, plus le temps de réaction est long. De une, il peut passer à deux secondes. Cumuler vitesse et alcool expose à des risques énormes. Réponse A et C. Je m'arrête ici, réponse A. Ou j'avance jusqu'au feu, réponse B. Ouais, mais il y, y a trop de calculs comme ça dans le code de la route. C'est galère, franchement fatal. Tu passes ton temps de, si tu passais ton temps à calculer à chaque fois et entre les distances les machins, entre les traits, les machins, euh, déjà un, t'es un, un scientifique de ouf. Au niveau de celle on trouve parfois ce qu'on appelle des sas de sécurité. Il s'agit de zones réservées à l'arrêt des cyclistes. Cela leur permet de se positionner de façon à être vu des autres usagers et de ne pas être situés dans leurs angles morts. Cela sécurise leur changement de direction, notamment lorsqu'ils tournent à gauche. Comment ça, non bah... Cet espace est Attends. réservé aux cyclistes. Je ne dois pas m'y arrêter. Réponse A. J'ai des questions au code de la route. À un moment, ils m'ont posé. Tu fais les calculs. Je, fais... bah, je suis d'accord avec toi. Tu ne fais pas tes calculs sur calculs le... pendant, tu... pendant que tu roules. Je suis d'accord avec toi. Euh, en théor... en... Sur la pratique, tu ne la fais pas. Sur la théorie, moi, une situation comme ça où euh, il y avait une diapo qui avançait sur la route. Ils m'ont demandé si la distance de sécurité était bonne. Donc j'ai répondu, euh, j'avais faux. Euh, et en fait, ils m'ont dit qu'il fallait calculer, donc compter le nombre d'interlignes qu'il y avait entre moi et le véhicule. Donc ça correspondait à tant de distance. Donc fois euh, qu'il y avait trois interlignes. Donc du coup, la distance de sécurité était bonne. Et euh, donc j'avais tort. Parce que je n'avais pas compté le nombre de petits traits. Euh, sur la voie du milieu. Ah il ben, faut arrêter quoi. Donc chaque petit trait faisait X distance, chaque intervalle entre deux petits traits faisait X distance, donc ça faisait une distance de stand. Ça fois trois parce qu'il y avait trois petits traits donc l'intervalle de sécurité était pas bon. Voilà. Ah mais ben, euh, genre tu vas compter tout ça quand tu conduis. Ce passage à niveau comporte ⁇ Une voix, réponse A ⁇ Deux voix, réponse B ⁇ Je m'arrête ⁇ Oui ⁇ Réponse C ⁇ Non ⁇ Réponse D ⁇ Je ne sais rien, moi, si c'est une voix ou deux voix ⁇ On va dire deux voix, allez. Je m'arrête, bah oui, ça oui. sais pas moi, c'est une voix. je sais pas. Allez. Attends, une voix. Ce panneau est un signal de position d'une voie ferrée. Lorsque la croix est simple, cela signifie qu'il n'y a qu'une seule voie. Une croix doublée ah bon. indique okay. qu'il y a deux voies ou plus. OK. jamais vu ce panneau de droite. Le panneau stop m'impose l'arrêt. Ouais, okay. Même si aucun train n'arrive. Réponse A et C. OK. Je ne connaissais pas le deuxième panneau, pour être bon. En tournant la clé dans cette position, je verrouille la sécurité enfant. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'airbag passager. Oui, réponse C. Moi, ouais, n'ai jamais vu hein, le non. panneau. Réponse D. Il jamais vu ce panneau là. Le verrouillage de la sécurité enfant s'active sur les portes arrière à l'intérieur du montant de la portière. Cette clé a pour but le contact et le verrouillage de l'airbag passager. En effet, il est parfois utile de verrouiller cet airbag quand on transporte un enfant sur un siège, dos à la route. Réponse B et C Je peux dépasser le tracteur Lala. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bon, ah, je passe. C'est ton hein. temps, ton temps lol. Je pourrais suivre cette camionnette, mais j'aperçois les flèches de rabattement à quelques mètres devant moi et un peu plus loin, un poids lourd qui vient vers nous. Ouais, je passe. À cette allure, l'intervalle de sécurité est suffisant. Ah bah tiens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et bah là, ils vont nous sentir les petits traits. Je suis sûr qu'ils nous sortent et qu'ils vont nous sentir ça. L'histoire des petits euh... Un calcul rapide en utilisant le marquage au sol ah là, là, permet de déterminer regarde, que regarde. je circule à une trentaine de mètres derrière ces véhicules. Le temps moyen qu'il faut à un être humain pour analyser une situation et prendre la décision qui s'y rapporte est d'environ une seconde. À 80 km/h, en une seconde, je parcours 24 mètres. Mais pour circuler en sécurité, c'est un intervalle correspondant à 2 secondes minimum qu'il faut laisser. À 80 km/h en 2 secondes, je parcours 48 mètres. L'intervalle de sécurité est donc insuffisant ici. Réponse B. Voilà, c tu vois, bah c'est l'exemple typique que je t'avais dit. Hein. L'exemple typique de du n'importe quoi du code de la route. Genre, tu vas compter les petits traits. Genre, t'as le temps de compter les petits traits, de rester concentré sur les petits traits, de te dire, putain, j'ai trois petits traits, donc ça fait 3 fois 3, ça fait 9, 9 plus les intervalles, machin. Mais c'est bon quoi, oh Bah, ça se voit qu'il n'y a, euh, euh, qu a pas 64 mètres, euh, franchement... Euh... Euh, moi je te dirais non, j'en sais rien. Parce que moi je n'arrive euh, pas à. Je n'ai euh, pas une bonne vision de, de calcul des distances visuelles. Ça, ça c'est l'un de mes gros problèmes au boulot. Euh, je fais tout au mètre parce que du coup, euh, j'ai pas ce, ce truc là. Moi j'ai des, euh, des, euh, des collègues et des monteurs euh, avec, qui, euh, avec qui je gérais, qu'ils y arrivaient, mais alors un truc de ouf. Au centimètre près, ils dizaines de une distance. Moi j'y arrive pas. Moi je faisais tout au mètre parce que je ne sais pas. J'ai pas l'œil pour ça. Bon, oh, moi c'est mon cas moi. Hein. Ah coucou si wave. Ah moi je sais. Pour le PTAC, je me suis fait, je me suis fait niquer. 3 tonnes 5. Les deux véhicules y compris. C'est bon, ça s'est rentré. <laughs> 3 tonnes max avec la somme des deux véhicules. Tu peux avoir une Clio euh, qui pèse 500 kilos et une remorque euh, de 3 tonnes, tu passeras. <laughs> On tira pas loin, mais euh... tira pas loin avec toi avec ta clio, hein, mais tu peux, c'est autorisé. Je suis bien placé pour prendre la sortie. En face. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Comment ça, en face Je pas vais non. aborder un carrefour à sens giratoire. Pour tourner à droite ou aller en face, je dois me placer et rester dans la voie de droite. Ah bah, C'est ce qu'on m'a appris. Pour moi. tourner à gauche ou faire demi-tour, je dois me placer à gauche. Dans cette situation, je suis bien placé pour prendre la sortie à gauche ça a changé, mais alors. pas pour prendre la sortie en face. Ça a changé. Réponse B et C. Non, non, mais euh, c'est parce que moi, les, euh, quand j'ai fait mes pronisées de cette code à l'âge de 18 ans, euh, c'est parce qu'on m'avait appris. Mais bon, soit euh, ça a changé, je discute pas. Hein. Ah bon, bon En plus, bah, euh, oui, bah, je ne me rappelle plus. Bah je suis désolé, moi à l'époque je me rappelle très bien mon, mon, mon moniteur d'auto-école il m'a dit euh, si tu vas en face tu peux te foutre au milieu. Bah tu peux te foutre à gauche. Pour laisser la place justement à ceux qui vont à droite. Moi c'est ce qu'il m'avait dit. On peut repasser la question. Euh, je sais pas si on peut repasser. Je le repasserai tout à l'heure. Parce que là je peux pas. En fait. Mais euh, à la fin du test, on peut. En fait, il me demandait. Euh, là, il disait simplement que euh, là, il disait que pour aller à pour aller à gauche, il fallait utiliser à gauche. Ouais, fallait utiliser la voie de gauche pour aller en face. Il fallait utiliser la voie de droite. Coucou, Terano. Comment tu vas bien Il y a 15 ans. C'est comme, comme le code Rousseau que j'ai appris. Ah bon? Je reste à droite pour aller tout droit. Oui, bah oui, c'est ce que tout le monde dit, mais bon. Pas bon, soit. J'ai tort, j'ai tort. Je discute pas. Hein, à 500 je... mètres, la circulation se fera à double sens, réponse A, à sens unique, réponse B, sur une seule voie, réponse C. Sur deux voies, réponse D. Le fond jaune des panneaux symbolise généralement une signalisation temporaire. Et la plupart du temps, ils sont justifiés par des travaux en cours. Celui-ci annonce qu'à 600 mètres, une seule voie sera attribuée à mon sens de circulation qui continuera à se faire à sens unique de ce côté de la glissière de sécurité. Réponse B et C. Mais moi, c'est vraiment, sais pas des conneries. Moi, c'est vraiment ce que mon. Après, il m'a peut-être appris de la merde, hein, mon moniteur d'auto-école à l'époque, hein, quand j'avais 18 ans. Mais moi, il m'avait vraiment appris ça, quoi. Pour un sens giratoire, il m'a dit si tu vas en face, tu te fous à gauche. Ça, ça laisse, ça laisse les, euh, ceux qui vont à droite, ça leur laisse. Enfin, euh, ils sont pas. Tu les gênes pas, ni rien. Donc après, euh, voilà. Bon, il m'a raconté de la merde, c'est tout, quoi. Ça arrive, hein. de toute façon, Utiliser un mode de transport alternatif. Réduit la pollution. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Participe à la qualité de l'air. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Oh merde. Oh merde. Le transport alternatif Ouf. est le fait de changer son mode de transport pour un même déplacement. Le but de ce type de transport est de, problème, des émissions je de gaz à effet de serre, exemple, covoiturage, vélo, etc. Par conséquent, les gains peuvent se ressentir en termes de pollution et qualité de l'air. Réponse A et C. Je peux rencontrer des pierres tombées sur la route Oui Réponse A Non Réponse B Des animaux sauvages qui traversent la route Oui Réponse C Non Réponse D Ce panneau de danger indique un risque de chute de pierre. La route va probablement longer une paroi rocheuse. Des pierres peuvent se détacher et tomber sur la chaussée. Le panneau saut précise que ce danger s'étend sur deux kilomètres. Ah, Ils disent il 3500 euh, sur le panneau saut. Annonce la présence d'animaux sauvages. Je peux les rencontrer sur la route. Ce danger sera plus fréquent de nuit que de jour. Ce risque se prolonge sur 5 km. Je ralentis pour disposer de plus de temps pour réagir en cas d'imprévu. Réponse. A et C La vitesse est limitée à 80 km/h. Réponse ah, A. Ah, c'est bon, pas des fois. 90 fois. 80 km/h. Réponse B. 100 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Bon. Je, me suis je circule sur une route à chaussée séparée par un terre-plein central. Sur ce type de route, la vitesse est limitée à 110 km/h. Je circule peut-être sur une autoroute urbaine. Ce panneau rappelle au conducteur la limitation de vitesse en vigueur. Parce que je me suis fini qui sur, sur son col d'avant. Dans ce cas, la vitesse limite est abaissée à 100 km/h. Réponse c'est. J'avais pas fait gaffe à la météo. Pour euh, de l'huile moteur. Je dévisse le bouchon. A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Ouais. Pour ajouter de l'huile moteur, il faut... D ouais, je passe, hein. c'est bon, on a compris, hein. tout le monde connaît un moteur. Alors... Tu roules avant. Je surveille en premier la zone A. Réponse A. B. Réponse B. C'est clair, c'est exactement ça, Green. C'est exactement ça. <rire> exactement. <laughs> c'est trop ça. <laughs> J'arrive au bout d'une rue très étroite qui débouche sur un axe assez important. Tout porte à croire que la zone de danger se trouve sur cet axe où la circulation est rapide. Néanmoins, la première zone que je vais devoir surveiller, c'est celle située devant la voiture rouge sur la gauche. En effet, un enfant en bas âge et de petite taille pourrait être masqué par la voiture rouge. Réponse A. Suite à une infraction, je perds un point. Sans autre infraction entraînant un retrait de point, celui-ci me sera à nouveau attribué dans un délai de 3 mois réponse A, 6 mois réponse B, 12 mois réponse C, 24 mois réponse D. Je crois que c'est 2 ans de mémoire. Eh merde L'augmentation des radars automatiques. Des radars mobiles et une présence renforcée des forces de l'ordre sur les bords des routes ont fait inévitablement croître le nombre de contraventions et la perte de points pour de petites infractions. Ainsi, pour adoucir le permis à points, une nouvelle disposition a été mise en place la possibilité de récupérer un point au bout de six mois. Cependant, le point perdu pourra être récupéré à condition de ne pas commettre dans cette même durée. Une autre infraction entraînant un retrait de points. Deux infractions sont concernées. Le chevauchement d'une ligne continue et l'excès de vitesse inférieur à 20 km/h. Réponse B. Ouais, oh putain, en plus c'est précis. Hein. C'est vraiment que sur deux types d'infractions, machin, c'est vraiment la question piège. Hein. Faire demi tour dans un tunnel est autorisé en cas d'incendie. Oui. Réponse non, ils sont sérieux. A. non. Réponse B. En cas de malaise d'un passager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'entre dans un tunnel qui est à sens unique et qui a une longueur de dix kilomètres. Ce panneau à lui seul signifie qu'il est interdit d'y faire demi tour, interdit de s'y arrêter et d'y stationner. Apercevoir un danger au loin, un incendie par exemple, nécessite d'avoir du sang froid et de ne pas commettre des risques supplémentaires. L'arrêt est bien sûr un cas de danger immédiat, en revanche le demi tour reste strictement interdit en cas d'incendie comme en cas de malaise d'un passager réponse b aider moi je dis, euh, je dis que emmerde euh, même pas tu vas à une auto école à côté de chez toi euh, tu ramènes euh, tes papiers avec ta carte grise et ton et euh, ta et euh, avec ta remarque et tu leur dis tu leur demandes directement voilà Ouais, je vous présente mes papiers, donc mon poids de véhicule il fait tant, je bah, le fais tant, est-ce que je peux rouler ou pas bah, Tu fais même pas chier. Ils te, et, et, et te, te répondront. Euh, salut Vito, comment tu vas bien mon ami Le contrôle du rétroviseur extérieur est suffisant avant d'ouvrir la portière. Oui. Réponse A. Non. Ouais. Réponse B. J'essaye. J'essaye. Déjà, On pourrait point considérer point de... que le contrôle du rétroviseur est suffisant avant d'ouvrir la portière, mais non. Il est préférable non. de jeter un regard direct question, vers l'arrière du véhicule. Effectivement, les rétroviseurs extérieurs ne couvrent qu'une partie de la vision hein. sont là pour vers le côté arrière du véhicule. La partie manquante devant être assurée par un contrôle en vision directe de l'angle mort de la part du conducteur. Ce dernier pourra ensuite ouvrir la portière de façon vite. sûre. Réponse B. Il va passer le bateau. <laughs> La voie de droite est libre. Je peux y circuler. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'y arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de droite est une voie réservée à la circulation des bus et des cyclistes. On la reconnaît facilement grâce aux pointillés plus épais qui la séparent de ma voie, ainsi qu'aux pictogrammes qui y sont présents. Dans les voies réservées, je ne peux ni circuler, sauf indication contraire, ni m'arrêter. Réponse euros. B et D. conduis un J'avoue. Oh viennent, non L'organisme leur... élimine l'alcool à raison de 0,05 g par litre de sang. Réponse A. Non mais ils sont sérieux 15 grammes par litre de sang. Réponse B. 0,25 g par litre de. Euh, de taxi, sang. ça dépend des villes. Réponse. C. Je, je connais un paquet là-dessus. Je vais Expliquerai après. Réponse D. J'en sais rien. Euh, franchement, j'en sais rien. Je veux dire au hasard. On va dire le plus petit au hasard j'en Je sais rien. Oh, l'élimination de l'alcool se fait à 95% par le foie. La transpiration, les reins, les poumons font le reste. D'un individu à l'autre, l'élimination de l'alcool ne se fait pas à la même cadence. Parce que nous ne sommes pas égaux. Ce qui nous différencie, c'est l'âge, le poids, le sexe, la qualité de vie, les habitudes, les carences ou les abus alimentaires, les maladies, etc. Le coefficient d'élimination est constant pour un même individu et correspond à la quantité d'alcool que le foie peut détruire en une heure. Et cette oxydation se situe aux alentours de 0,15 g par litre de sang et par heure. Réponse B. Ok, bon. Euh, juste pour la petite, pour la, la petite information que tu as, as demandé. Enfin, que je vais faire. Euh, pour les taxis parisiens, uniquement de Paris, je parle, attention, parce que je connais, parce que mon ex-femme a passé son permis de taxi. Euh, D'ailleurs, c'est une belle galère. Alors, tu as le droit de rouler sur les voies de bus à Paris même. Ça, il n'y a aucun problème. Et. Euh, mais le problème, c'est sur les villes adjacentes à Paris, euh, en proche banlieue. Euh, ça dépend de l'autorisation ou pas euh, de la mairie. Donc il y a certaines villes où tu n'as pas, le, où les chauffeurs de taxi n'ont pas le droit de rouler dans les zones, euh, dans les zones euh, réservées aux bus et à certaines villes où tu as droit. Après, c'est à eux de les connaître par cœur. Mais à Paris, même, ils ont le droit de circuler sur les voies de bus. Mais après, dans, certaines, dans certaines, euh, dé, certains départements, ils n'ont pas le droit. Après, pour te dire lesquels, franchement, je serais. Elle me l'a dit, mais je n'ai bon, pas retenu. Euh, mais je sais que, euh, que c'est euh, à posteriori à, à, au département de choisir ou pas. Donc il y a certains départements où, où les chauffeurs de n'ont pas le droit. Après, c'est eux que ça concerne, uniquement. Je suis bien placé pour faire demi-tour. Bon, ça oui. Oui. Réponse Sorti à droite, non. Non. C'est bon. Réponse je suis tout à oui. l'heure prendre la première sortie à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je me suis fait niquer tout à l'heure. Je avoir me une suis placé dans la voie de gauche à l'approche de ce carrefour à sens giratoire. Cela signifie que je connais la direction à suivre. Je me suis placé à gauche pour emprunter les sorties situées à gauche. En aucun cas, je ne pourrais prendre la première sortie à droite. Réponse A et D. Allez, t'as un roulement de tambour. 33 fautes. Et putain. Faut de merde. J'y arriverai jamais. Ah merde, je voulais... Euh... Euh, attends, est-ce que je peux revenir Euh... Ah, c'est là. Euh, tu m'avais dit, là c'était la 29, non, 28. Ouais, c'était celle-là que tu m'avais demandé de repasser ta C'était celui-là que tu m'avais demandé de repasser. Je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Pour tourner à droite ou aller en face, je dois me placer et rester dans la voie de droite. Pour tourner à gauche ou faire demi tour, je dois me placer à gauche. Dans cette situation, je suis bien placé pour prendre la sortie à gauche mais pas pour prendre la sortie en face. Réponse B et C. Euh, tu m'as dit quoi euh... bah, 33 si, ça fait 7 fautes. ouais. 33 à 40, ça fait 7 foot. Donc euh, 33 bonnes réponses. En fait, là, c'est le nombre de bonnes réponses, c'est pas le nombre de fautes. Il faut que j'aie 35 bonnes réponses. Ouais enfin bon Ah oui bah bon, c'est moi c'est ouais bah c'est moi quoi C'est moi Ouais enfin bon pour moi tu te dis que j'ai une amélioration Je trouve pas hein, franchement 32, 32, 32, 32, 33, tu vois, là, 33, 34, franchement... Pourquoi non Je suis, suis resté dans ma stagnation, pour moi. Ah bah, tu vas galérer, Vito. Heureusement, en Italie, si tu payes plus, tu as le permis. <laughs> ah oui, passe-le pas en France. C'est clair, tu vas te galérer. Ouais, ouais, j'arrive. Bon allez, moi je vais les manger. Bon en tout cas, merci euh, pour ces petits débats. Euh, merci de m'avoir supporté surtout dans mes dans mes crises de gueule parce que voilà, j'étais pas d'accord avec le code. Bon franchi. <laughs> pas les le <laughs> Ouais ben bah justement vu comment je galère au code alors j'imagine même pas l'examen de conduite justement alors c'est ça qui me je n'ai pas encore parlé mais c'est ça qui me fouille un peu plus les boulons. Euh, bah, C'est après-midi, moi je continue. Euh, Style si l'examen, fait euh, son quota du jour, tu ne l'auras pas. C'est ce qui m'est arrivé. Ah. Euh, moi en tout cas, moi cet après-midi, je ferai pas je... je sais pas pour les quotas. Euh, cet après-midi, moi je continuerai sur les euh, volants 2. Ça c'est sûr. Et puis bah pour ceux qui sont encore, euh, pour ceux qui veulent du, euh, pour ceux qui veulent euh, revoir du code, bah comme d'habitude demain matin. J'essaierai de commencer un peu plus tôt parce que ce matin j'ai eu du mal à me lever. J'ai commencé à 10h30. C'était un peu tard. Euh, je vais essayer demain matin. Je mettrai mon réveil plus tôt et euh, je commencerai, bah, Je mettrai mon réveil à 9h. Donc je pensais être là vers bah, les 9h, 9h30, 9h30. Ou après l'été. Ou après l'été. Bon, allez, moi. J'ai entendu mon téléphone vivre, mais bon, c'est pas grave. Allez, bah, plein de gros bisous, je vais me faire engueuler. Faut que j'aille manger. Allez, ciao, paix amour à tous. Et puis, bah, demain matin pour ceux qui sont là pour le code. Sinon, cet après-midi pour du Evoland. Allez, ciao. Je colle un peu trop, moi. Et merci encore à tous. Merci d'être venus, merci de m'avoir soutenu, merci pour les follow. Merci, merci à tous. Merci pour ces débats très intéressant. Voilà, ciao. Et moi, je me fous d'un truc sur le cul. Quand même.